Allô? Bienvenue à la fricassée sportive. Vous allez le constater, mesdames. Bonsoir. Deux petites secondes, s'il vous plaît. Nous disions donc, vous allez le constater, ce sera une émission dédiée au monde de l'automobile. En d'autres mots, Paul, un show de char. Oui, appelons les choses comme elles sont. Ça va donner un grand coup. Tenez-vous bien. Un accident, c'est si vite arrivé. Même Jacques Villeneuve a déjà traversé une telle expérience. Hiro Matsushita se rappelle d'ailleurs du passage de Villeneuve en IndyCar, car il avait coupé sa voiture en deux parties égales. Et Jacques Villeneuve, l'oncle, a lui aussi fait une entrée fracassante en IndyCar. Je me sentais assez bien à l'hôpital, malgré que j'étais pas mal inquiet de me faire enlever du peloton. Je suis quand même l'auto la plus slow. Gilles Vigneault chantait « Jack Monoloy était fringant, tous les boulots s'en rappellent ». Jacques Villeneuve était certes fringant, mais lui, tous les buts s'en rappellent. Votre calvaire n'est pas terminé. D'ici la fin, vous êtes mieux de faire attention. Attention, attention, il y a un chauffard qui circule. Attention. Aborder le thème de l'automobile d'une autre façon. Tu veux dire? Une autre façon que les accidents, puis ce genre de choses-là. Oui, des choses bizarres, paranormales, insolites. Paranormales? Ben oui, il y a plein de choses bizarres qui se passent. Bon, j'ai des doutes, Paul. Je te le dis, tu devrais me croire. D'ailleurs, surveille bien le prochain montage qu'on a fait. Montage. Le monde de l'automobile est aussi en proie à des manifestations surnaturelles, insolites, stupéfiantes. Pour des raisons inexplicables, le feu se déclare sans avertissement. Ah!
Des bidons d'essence refusent obstinément de lâcher le morceau. Les pneus, tout à coup, se prennent pour des serpents ou autres bestioles du genre. Oui, les pneus d'auto de course muent. Ils changent de peau. Autre histoire bizarre, celle des pneus vagabonds. Vous voyez en bas de votre écran à droite le petit mouton noir de la famille quitte ses trois frères et leur domicile pour aller seul à l'aventure. Vous comprenez que la course de notre pauvre pilote venait tout à coup de prendre fin. Et celle-ci, le pneu a décidé d'aller faire une saucette dans l'étang. Mais il avait été repéré par cet homme grenouille. Allez, fini la trempette, à la maison! Le pneu docile s'est laissé ramener, croyant que cette forme de caoutchouc était un lointain cousin. Voici maintenant des histoires capotées, littéralement. Des histoires de capots, de carrosserie et de capots, animées d'une vie débordante. Des pièces de métal qui prennent vie et qui décident tout à coup de s'envoyer en l'air. Quelquefois, le capot est plus malin. Il décide de s'envoler du côté des estrades. Les spectateurs n'apprécient pas particulièrement. Enfin, voici l'histoire incroyable de Morgan Shepherd, un pilote américain qui a vu son capot se retourner contre lui et couvrir entièrement le pare-brise. Eh bien, tel un valeureux chevalier combattant le dragon à piston, Morgan a continué la course, nez à nez avec son capot. Le Robin Hood des temps modernes. Robin Hood. Vous avez poigné? Excusez-la. Quoi de plus typique dans un garage qu'un coffre à outils et un calendrier? Mais est-ce qu'il y en a encore beaucoup? Des coffres à outils? Oui. Mais des calendriers... Il y en a de moins en moins, Paul, mais il y en a encore. Il y en a encore. Est-ce que le monde de l'auto a besoin de cet aspect-là? Est-ce que le monde du sport a besoin de cet aspect-là? Bonne question. Bonne question. Les meneuses de claque sont engagées pour donner un spectacle et la beauté de ces cheerleaders fascine souvent l'imaginaire des hommes. Mais ces femmes ne sont pas les seules à attirer les regards lors d'événements sportifs. Missionnaire, humanitaire, au cœur solitaire. Secrétaire particulière, au voyage d'affaires. Je serai Et lorsque les femmes commencent à faire la cour aux mascottes, elles deviennent de plus en plus osées. Attention, messieurs. Des fameuses exceptionnelles aux maniaques sexuelles. Des tourneuses occasionnelles de maris fidèles. Je serai telle que tu m'imagines.
Ah, quel délice, quelle pureté. Musique classique, balade en automobile. C'est bien. Mais peut-être un drôle de mariage pour la fricasser, non? D'entendre Casse-Noisette de Tchaïkovski. Ne trouvez-vous pas que ces symphonies de bolides de course pour pneus et moteurs présentent de réelles similitudes avec la musique classique? Bizet aurait peut-être adoré que son opéra Carmen accompagne les compétitions sur piste ovale des bolides NASCAR. Enfin, n'auraient-ils pas apprécié que leur petit duo collé-collé s'exécute sur la symphonie numéro 40 de Wolfgang Amadeus Mozart? Imaginez maintenant Charles Dutoit avec un casque de pilote. Mesdames et messieurs, depuis le début de cette émission, vous avez vu suffisamment d'auto. Mais il y a autre chose. Autre chose. Vélo, bateau, moto, planche à roulettes, avion. Tout ce qu'il y a ou un moteur ou une roue. Ou les deux. Ou les deux. Et Pedro, as-tu perdu les pédales? Et toi, à Ottawa, tu sais, t'as pas fini de pédaler. Et toi, le chauffeur du dimanche, t'es en voiture. Et toi, le pilote de l'air, j'espère que t'as un siège éjectable. Enfin, toi qui tiens le guidon, as-tu une idée à quoi ressemble un as du volant? J'en ai pas vu dernièrement. Que vous avez été contenté, mais avant de vous quitter, je devais absolument vous présenter notre plus grand accidenté.
Vous ne l'avez peut-être pas vu, mais d'ailleurs, lui aussi, le pont, il ne l'avait pas vu. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de cette émission consacrée spécialement à l'automobile. Nous espérons que ce show de char vous a plu. Et en passant, tous les pilotes que vous avez vus dans cette émission, eh bien, ils se portent bien. Quant aux voitures, vous devinez qu'elles sont à l'atelier en arrière. Au revoir. À la prochaine.